Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Beautiful Box en fait du mois de décembre. Mais avec tout ce que j'ai eu, j'ai complètement oublié de vous la présenter. Donc comme vous le savez, j'ai arrêté chez My Little Box et je prends maintenant la Beautiful Box pour tester. Donc celle-ci, c'était le mois de décembre. Et en fait, comme je vous l'ai dit, j'étais tellement débordée que j'ai oublié de vous la tourner. Donc je vous la fais quand même pour commencer ma nouvelle playlist Beautiful Box, ma toute première, enfin la quatrième je crois, parce que j'avais déjà eu une fois en partenariat, mais là je me suis abonnée. Donc moi j'ai déjà enlevé tout ce qui était pochon et tout ça, je l'avais déjà ouverte, hein, les papiers bulles et puis là-dedans il y avait un bracelet. Donc j'ai déjà tout enlevé, tout ouvert, et maintenant je vous la montre. Donc dans le petit pochon on a ce petit bracelet là, voilà, qui se ferme en crochet réglable de crochet. Il est très joli, ça fait comme un truc prisonnier là, je sais pas comment on dit, j'aime bien les, je sais plus comment ça s'appelle là, les bracelets prisonniers, j'aime bien. Donc voilà, ensuite on a reçu un mascara. Donc je vous montre la brosse. Voilà, donc celui-là j'ai pas encore testé. Voilà, on dirait que c'est un mascara fibre en fait. Puis il y a des petites fibres à l'intérieur, on verra. Ensuite j'ai reçu un vernis à ongles comme ceci, pailleté. Je l'ai pas testé non plus. Et là on a reçu des petites lingettes démaquillantes. Voilà. Lingette démaquillante, donc il faut percer. Voilà, je ne l'ai pas fait encore, je vais les tester plus tard. Ensuite on a bien sûr aussi la carte avec les tutos de tous les produits qu'on a reçus, hein. Ça j'adore. Voilà, on a reçu un illuminateur de face, de visage, et de chez Essence. Donc ceux-là je les ai vus la dernière fois au DM, mais j'en ai pas pris, donc si je l'avais pas reçu dans la box, en fait, je ne l'aurais jamais acheté. Et franchement, c'est parfait parce que j'adore la pigmentation, en fait. C'est aussi poudreux. Mais vous avez celui-ci qui est magnifique. Bon, voilà, c'est highlight, quoi. Et puis celui-ci. Donc voilà, pourquoi pas en fard de transition, parce que moi je ne mets pas de blush et tout ça. Donc voilà ce qu'il donne. C'est très joli. Et ensuite on a aussi reçu un fard à paupières, un duo. Donc noir et or pour les fêtes. Donc je vais vous swatcher d'abord or. Voilà, très joli. Et ben le noir aussi parce qu'il est pailleté. Il est très beau. Ouais, très joli. Il brille bien. Et puis, comme dans chaque box que j'ai déjà testé, on a une plaque de tatouage. Et ça, j'adore aussi à chaque fois ce petit plus. Donc voilà, des petits tatouages. Je vais me faire une collection grâce à cette box-là. Donc, ben voilà pour la présentation de cette box que j'avais complètement oublié en fait de vous présenter. Mais il fallait absolument que je la fasse pour commencer et mettre à jour ma nouvelle playlist Beautiful Box. Voilà, ben j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour celle du mois de janvier parce qu'elle va pas tarder à arriver là dans la semaine. Donc j'enchaînerai ces box là. Voilà, gros bisous, à bientôt, ciao!